Elle est née un été, cette chaussure. C'est l'univers de l'atelier. Les odeurs du cuir, du bois, parfois un peu de poussière malheureusement. C'est des matériaux qui sont parfois un petit peu résistants. Il faut qu'on se batte pour pouvoir les travailler. Et en même temps, il faut qu'on ait de la précision parce que on doit avoir un rendu fin, bien soigné. Et par contre, il faut se battre pour atteindre la perfection, pour être capable de faire les bons gestes. Et une autre notion dans la transmission, c'est qu'en fait, on doit considérer qu'on n'est jamais les propriétaires de notre savoir. On a reçu quelque chose, il y a quelqu'un qui nous l'a transmis, ce métier, et à notre tour, on doit le transmettre aussi. Et c'était plutôt naturel parce qu'on s'est entendu tout de suite, en fait. On a eu cette forme de complicité qui s'est installée entre nous et que du coup, ça nous a permis d'alléger certains processus d'apprentissage et d'échange pour travailler ensemble.